Ah mon gars, mon gars! Eh, ça ou quoi, Ali G? Bien ou bien? Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Flex! Les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, hein, que vous êtes contents de me retrouver comme d'habitude, hein, chaque dimanche sur cette chaîne. J'espère que vous en avez pas trop marre de voir ma petite tête. Mais en ce moment, je kiffe grave faire des vidéos, je prends grave du plaisir en tournée. Franchement, après, le montage, c'est une autre histoire. Bref, on n'est pas là pour parler pour ça, les gars, comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va plonger directement dans le sujet. Je vais vous parler de mes petits kiffs du moment. J'ai vu que sur YouTube, c'est un peu la tendance de parler de ces petits kiffs du moment. Du coup, pourquoi pas suivre la vibe, puisque oui, je suis un mouton. Autant suivre les tendances. Donc aujourd'hui on va parler musique, on va parler jeux vidéo. En fait je vais vous parler en vraiment ce que j'aime bien faire ces temps-ci. Il y a des trucs qui ont rien à voir, c'est pas forcément relié, mais j'ai envie de partager ça avec vous, comme ça vous apprenez un peu plus à me connaître. Et pour ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, d'ailleurs pourquoi tu me suis pas encore sur Instagram, frère? C'est là-bas que tout se passe, donc n'hésite pas à venir me follow là-bas, c'est très très important. Et voilà, justement tu apprendras à me connaître un peu plus, tu sauras quel genre de trucs je fais hors YouTube ou quel genre de truc qui m'intéresse. Donc voilà, comme d'habitude, mets-toi à l'aise pour cette vidéo, prends ton petit popcorn, on va un peu papoter, je vais vous montrer quelques petites images. Let's go. Alors première chose que je kiffe ces temps, je pense que vous avez dû le remarquer si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je pense que c'est... Non, attendez, attendez, je le refais, c'est... Vous le savez très bien les gars, vous le savez très bien si vous me suivez, c'est bien évidemment Twitch, frère. Tous les jours je stream sur Twitch, c'est vraiment devenu un quotidien en fait. Je suis un passionné de jeux vidéo, ce que la plupart des gens ne savent pas. Les gens pensent que je suis juste un passionné de mode, mais les jeux vidéo ça fait partie de ma vie de tous les jours. Et je pense que voilà, comme tout garçon s'est intéressé aux jeux vidéo un jour ou l'autre. Moi ça a commencé avec les vieilles consoles, genre la première console que j'ai eue c'était la Nintendo 64. J'avais Mario, j'avais un jeu de snowboard, bref, j'avais plein de jeux. C'était des, tu sais, les grosses cassettes là. Bref, je me butais à la Nintendo 64 à l'époque. Ensuite, j'ai joué à la GameCube. Ensuite, j'ai joué à la PS. J'allais même chez certaines personnes juste parce qu'ils avaient la PS pour pouvoir profiter d'eux. Je calculais que les gens par intérêt juste parce qu'ils avaient une console. Bref, c'était vraiment un délire. Voilà, maintenant j'ai eu plus de temps libre. Enfin, plus de temps libre, c'est surtout à cause du Covid. Donc, c'est pas forcément une bonne chose puisque ça freine des projets. Mais bref, je joue tous les jours à la Play. Comme je vous ai dit, ça fait partie de mon quotidien. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer à me filmer, ça peut donner quelque chose, vu qu'en plus j'aime bien partager des trucs par rapport à la mode. Donc pourquoi pas vous partager aussi des trucs hors mode, question que vous soyez un peu plus proche de moi, tu vois ce que je veux dire. Du coup, si j'ai une communauté jeux vidéo, ça leur ferait plaisir si je streamais. Et du coup j'ai eu quelques abonnés qui se sont abonnés à moi sur Twitch, qui me suivent sur Instagram et qui s'imaginaient pas du tout que j'étais un gamer. Mais voilà, petite surprise, effet de surprise, j'adore les jeux vidéo et je stream notamment sur Call of. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, c'est très très important. Et d'ailleurs merci aux 41, où on est presque à 50 abonnés sur Twitch. C'est pas beaucoup, mais c'est un bon début, faut bien démarrer quelque part. Deuxième chose que je kiffe après les jeux vidéo, les gars, mon kiff, c'est la salle de sport. Bon, une fois de plus, ceux qui me suivent sur Insta, ils le savent déjà parce que je poste quelques stories où je fais du sport. Bon, maintenant j'ai arrêté parce que mon Instagram c'est vraiment que pour la mode, mais je mets quelques stories sur Snapchat, donc n'hésite pas à venir me suivre, où je fais mes petits exercices, où je vous donne des conseils, hein. Je suis pas coach sportif, je vous donne des conseils par rapport à mon vécu. Et justement, le sport c'est quelque chose qui fait partie de ma vie tous les jours, c'est quelque chose de très très important pour moi, parce qu'en fait, il faut que je me défoule en fait, parce que je suis quelqu'un, je dirais pas hyper actif, mais j'ai besoin de me dépenser en fait. J'ai besoin de me sentir, tu sais, vidé, tu vois, genre après une bonne séance, t'es congestionné, tu sens que t'as vraiment bien taffé ton corps. Et pour moi, c'est important de ressentir ça tous les jours, surtout quand t'as des journées super chargées comme j'avais précédemment. Pour moi, c'était impossible de terminer une journée sans aller au sport. Après, voilà, je suis pas le sportif de l'extrême par rapport à la diète, etc. Moi, je m'en bats les reins, je mange tout ce qui me plaît. L'important, c'est de se faire plaisir et de se dépenser. Donc voilà, si tu kiffes le sport, tu sais où il faut venir me suivre, mais vraiment c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien.
Troisième kiff de ce moment, ça n'a rien à voir avec les deux premiers, c'est l'album de Freeze Corleone, frère. La menace fantôme, incroyable. C'est un album incroyable, les gars. Ouais, je sais, je dis beaucoup incroyable. Mais je vais pas faire le puriste, genre, ouais, je connais Freeze depuis qu'il rappait à 14 ans, etc. Pas du tout. Moi, je l'ai connu avec Lionzon, avec le titre 667. Et quand il a posé son couplet, je me suis dit, mais mec, ce gars, il est monstrueux. Et pourtant, pour vous dire, je suis pas trop rap français. Hein. Je suis vraiment pas trop rap français parce que pour moi, le rap français, ça tourne autour du même sujet. Et surtout, la plupart des chanteurs font vraiment de la musique juste pour vendre, en fait. Juste des musiques de showcase pour que ça plaise quand t'es en boîte. Et pas des musiques, tu sais, des bangers. Tu vois ce que je veux dire? Des bangers où il y a des basses, etc. Tu vois. Et moi, c'est vraiment ce que je kiffe. Je kiffe que les musiques où ça fait boum, 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 etc. Tu vois, quand il y a des grosses basses de ouf. La Zumba, tout ça, c'est pas mon délire. Et si je veux écouter de la Zumba, j'écoute du R&B et pas du rap français. Donc, l'album de Freeze, ça m'a vraiment mis une claque. Bon, ça fait longtemps qu'il est sorti l'album, mais je l'écoute toujours. Tous les jours, j'écoute au moins deux, voire trois titres de La Menace Fantôme. Et en fait, je m'en lasse pas parce qu'en fait, ça kick, ça kick, ça kick. Et je trouve que lui, il a vraiment un style à part entière. Et je me suis vraiment plongé dans ce qu'il dit, dans ses musiques. Et ça m'a même poussé à faire des recherches sur la théorie du complot, sur les Illuminati, les reptiles, enfin tout, toutes sortes de pseudo-sectes et de gens bizarres, hors normes, entre guillemets. Ça m'a vraiment poussé à faire des recherches, à en savoir plus. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. C'est vraiment grâce à lui que je me suis vraiment intéressé à ce sujet là et je trouve ça vraiment passionnant, chaque référence qu'il place dans ses musiques. En fait, ça te pousse vraiment à aller rechercher ce qu'il dit dans ses sons, parce que quand il lâche des punchlines puis t'as pas la ref, t'es un peu là, mais pourquoi il dit ça en fait? Donc du coup tu vas chercher, enfin bref, c'est vraiment un délire. Ceux qui n'ont pas encore écouté La Menace Fantôme, très grosse erreur de votre part, mais c'est vraiment un album lourd, ça kick vraiment très très sale. J'espère vraiment qu'il va continuer dans cette lancée. Donc ceux qui n'ont pas écouté, allez écouter, c'est vraiment de la bombe. Quatrième kiff du moment, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, c'est bien sûr les photos. C'est vraiment quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant je prenais juste des photos outfit et je postais sur Instagram. Maintenant, je me casse un peu plus la tête, je vais sur Pinterest, je cherche à embellir mon feed, je cherche à retoucher mes photos, j'ai acheté Lightroom comme logiciel de photos. Ça coûte une blinde, frère, mais c'est vraiment bien pour pouvoir retoucher tes photos, ça rend tes photos beaucoup plus professionnelles et comme ça tu peux avoir un feed unicolore. Et j'ai vraiment appris à apprécier ça, hein. C'est vraiment très très récent que je kiffe vraiment me déplacer dehors, trouver les bonnes lumières, trouver le bon spot qui sera en raccord avec mon feed. Et c'est vraiment maintenant que je me casse la tête à trouver à chaque fois des bons spots, le bon angle de lumière. Et pour vous dire, des fois je vais en ville, je marche juste pour pouvoir trouver des spots, pour pouvoir shooter. Et bien évidemment, je me shoote tout seul, hein. Je prends mon trépied, je vais en ville, je me pose, je fais mes petites pauses et je rentre chez moi, je retouche et je poste sur Instagram. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai normalisé maintenant, parce que je me dis que Instagram, c'est un peu mon métier, j'ai un peu des revenus sur Instagram. Du coup, c'est normal que t'as envie que ça fasse bonne impression. C'est normal que t'as envie d'impressionner les gens qui te suivent. En fait, c'est normal tout simplement de poster quelque chose et puis que la communauté qui te suit, elle est contente de ton travail, en fait. Du coup, c'est pour ça que je me casse beaucoup plus la tête, que je prends pas juste une photo, je la retouche pas et je la balance sur Instagram comme précédemment. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse une vidéo sur le posing ou une vidéo sur comment trouver des bons spots, comment trouver des bonnes lumières, etc. Ou même une vidéo où je vous fais visiter ma ville, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je viens de Suisse, j'habite à Lausanne et il n'y a pas beaucoup de vidéos où on fait visiter les villes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, je pense qu'il n'y en a même pas de vidéos de youtubeur qui fait visiter la ville où il habite. Donc pourquoi pas vous faire ce genre de vidéo. Mais voilà, pour revenir à ce que je disais, la photo, c'est vraiment devenu un de mes dadas et c'est quelque chose que je continuerai à faire, à vous proposer du contenu, bien sûr, essentiellement sur la mode et bien évidemment perfectionner mon feed, parce que là, je suis toujours en recherche, hein, je me recherche toujours, comme vous pouvez le voir. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de super compliqué de chercher une photo qui va avec la même teinte que ton feed. C'est vraiment se casser la tête, c'est vraiment un travail en vrai de vrai, mais c'est quelque chose que je prends plaisir à faire. Cinquième kiff du moment, j'étais obligé de vous en parler, hein, puisque vous voyez mon étagère derrière, c'est bien évidemment les chaussures. Bon, le problème en fait avec les chaussures, c'est que j'ai trop des goûts qui sont au-dessus de mes moyens, tu vois ce que je veux dire? Du coup, je me bute au travail, je fais des heures supplémentaires. Bon, là, à cause du Covid, je peux plus trop le faire, mais avant, je pouvais le faire. Du coup, c'est pour ça que j'achetais tout le temps des paires. J'achetais minimum une paire par mois, voire deux paires par mois. Là, je me suis calmé parce qu'en période de Covid, du coup, tu gagnes un peu moins de pesos et du coup, tu peux moins
mettre d'argent de côté. Vu que j'habite seul, c'est un peu compliqué de mettre de l'argent de côté. Mais voilà, les chaussures, c'est vraiment quelque chose que je kiffe acheter. Pour vous dire, je préfère acheter des chaussures qu'acheter des habits. C'est vraiment abusé. Je suis vraiment très con en fait, parce que des fois, je suis en manque de certaines pièces. Au lieu d'acheter ces pièces, je vais prendre cet argent, le mettre de côté pour pouvoir acheter une paire. Et ensuite, quand je vais avoir la paire, je vais me dire, mais pourquoi j'ai pas acheté ces pièces? Parce que ça irait tellement bien avec la paire que j'ai actuellement. Est-ce que je suis débile? Bien évidemment. Mais voilà, les chaussures, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. J'aimerais vraiment finir de remplir cette étagère, parce que voir des trous, c'est vraiment quelque chose qui... Ça commence à me saouler là. Ça commence à me saouler de voir des trous. Pour vous dire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous. Donc 7 paires que je dois acheter pour pouvoir finir de compléter mon armoire. Autant vous dire qu'on va charbonner un maximum pour pouvoir remplir tout ça. Et en plus de ça, c'est pas des paires données, hein, parce que ça serait trop facile d'aller acheter des Converse et des Vans pour pouvoir remplir son armoire. Donc voilà, je vais un peu me casser la tête, hein. Surtout avec ce qui sort ces temps-ci, hein, parce que les prochaines paires que je risque d'acheter, c'est la Jordan 4, la Sale, hein, la Off-White, bien évidemment. C'est sûr que je vais l'acheter. La Jordan 4 Union, hein, soit la beige ou soit la noire, voire les deux, hein, si vraiment je me chauffe. Et j'aimerais bien m'acheter la Off-White Chicago, mais bon, lâcher un 5 balles dans la paire, ça me fait un peu... Voilà quoi, ça fait un peu mal. Racheter une courte purple, hein, mais la 1.0, comme je vous avais dit dans la vidéo que je vous avais sorti justement pour la 2.0, et la Travis Scott Low que je voudrais bien avoir. Mais bon, lâcher un 1002 pour du 43, ça me fait un peu mal. Bref, c'est toutes ces paires que je voudrais vraiment mettre dans mon armoire là. Si je les ai dans mon armoire, je serais content de ouf. Mais pour ça, faut charbonner un maximum. On va faire des vidéos YouTube, on va les monétiser. Non, en vrai, YouTube, ça me rapporte que dalle. Bref, je vais terminer sur ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, où je vous ai présenté mes 5 kiffs du moment. Pourquoi pas vous faire une partie 2 où je vous fais mes 5 kiffs du moment, mais essentiellement sur la mode, par rapport au sap, par rapport aux accessoires et aux chaussures. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse ça. C'est vraiment avec grand plaisir que je vous le ferai. Pour ma part, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était ton gars JM. Prends soin de toi au maximum. Flex.